Salut tout le monde, c'est Xuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu informative ou en tout cas pour une fois pour parler des prochaines mises à jour puisque les prochaines mises à jour vont être extrêmement importantes puisque sur le jeu ils l'ont annoncé non, on va garder ça pour plus tard mais en tout cas ils ont annoncé tous les events, la plupart des events en tout cas pour septembre et octobre. D'habitude ils font juste le premier mois, enfin ils font juste le mois suivant. Bon, normalement septembre. Là, ils font septembre-octobre. Ok. Juste avant de commencer, bon, avant les mises à jour, bon, il y a une nouvelle boîte qui va sortir, une nouvelle mini-boîte. Cinquième? C'est la cinquième? je viens de réaliser ça. C'est pas la sixième? Sur le trailer, c'est marqué la sixième, numéro 5. C'est la sixième, normalement. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc oui, ils se sont gourés sur ça, bon, on s'en fout. Nouvelle mini boîte, je pense que je vais plus en parler là, plus tard, enfin plus tard dans la semaine, donc cette boîte sortira le 31, c'est-à-dire jeudi si je ne me trompe pas, on regarde ça, oui c'est jeudi, ça rajoute pas mal de nouveaux monstres, en tout cas pour les attributs vent, eau, les monstres level, et à peu près tout, avec les monstres, donc avec les magiciens silencieux, avec du support pour le magicien silencieux, pour les compteurs magie, bon, des trucs sympas. Bon, l'extension m'a l'air très sympathique quand je vois les cartes qu'il y a dedans. À mon avis, ça va être très utile pour ceux qui débutent aussi, puisqu'il y a pas mal de monstres à 1800-1850, assez facilement obtenables, hein, en cartes rares et en cartes communes. Donc je pense que ça va être bien. Bon. Mais bon, je donnerai mon avis plus en détail quand la boîte sera sortie. Et je pense pas faire un opening. Mais voilà, peut-être un top 10 des cartes de l'extension. Donc, alors, les mises à jour à venir. Le jeu sera prochainement mis à jour avec les fonctionnalités suivantes. Début septembre, donc quelque chose qu'on connaissait déjà. Enfin, normalement, c'était annoncé pour fin août. Bon, en vrai, ça va commencer le 29, donc ça va. Un personnage, nouvel événement, chronique de dueliste, cap sur le royaume. Un personnage attendu depuis longtemps sera disponible. Participer à un nouveau type d'événement basé sur la série originale. Cet événement doit avoir lieu entre fin août et début septembre. Bon, c'est l'event qui va sûrement commencer dès demain. Et qui va du coup nous permettre de débloquer un nouveau personnage. Et on peut s'attendre clairement, moi je dis confirmé à 95% que ce sera Yugi Muto. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien, quand on va dans voir et convertir les cartes, si par exemple on cherche, on va dire au hasard, bon, faudrait déjà que ma collection se lance, j'ai tellement de cartes, ça met du temps, bien sûr. Alors, Gandora, si vous cherchez Gandora sur ici, voilà. Et que... D'ailleurs, j'en ai trois, je me souvenais plus. Et que... Ah, j'ai pas mis à jour mon émulateur. Mais en fait, j'ai pas mis à jour le jeu sur émulateur. Donc normalement, je devrais avoir ça, mais c'est pas grave. Donc normalement, vous avez ici l'option pour dire rechercher la carte. Et quand vous allez rechercher la carte, vous voyez que Gandora est disponible dans le deck de départ de Yugi. Bah oui, et quand vous cherchez tous les guerriers magnétiques, en fait, ça vous dit que vous pouvez les obtenir en récompense de niveau avec Yugi Muto. Donc, ça veut dire qu'on pourra bientôt le débloquer, et très sûrement durant cet event. Sur comment marchera cet event, j'en sais rien du tout, je sais pas à quoi m'attendre, mais bon. Ensuite, mi-septembre, un personnage est déchaîné. Faites autant de duels que possible pour obtenir des récompenses exclusives. Tous ceux qui m'ont défié en duel ont maintenant disparu. Bon, en français, généralement quand ils traduisent en français, c'est absolument pas bon. Hein. C'est puisque, par exemple, pour l'événement d'Elegante Maille, en français, c'était... un nouvel adversaire de taille arrive sur Duel Links. Donc moi je m'attendais à Panique, hein, puisque Panique est un grand dueliste quand ils nous parlent d'adversaire de taille. Alors que quand
On voit la traduction, la vraie traduction japonaise, ça parlait bien d'un personnage élégant qui arrivait sur le jeu. Donc la traduction française ne nous donne aucun indice. Mais en anglais, ça nous laisse présager Super Rex Raptor, ce qui serait super bien puisque ça permettrait d'avoir de nouveaux monstres dinosaures sur Duel Links. Et moi, j'aime bien jouer dinosaures. Donc moi j'attends avec impatience. J'espère qu'on aura pas mal de nouveaux monstres dinosaures avec ça. Ensuite, fin septembre, nouvel événement à venir. Une mystérieuse tour est subitement apparue dans le monde des duels. Des ennemis encore jamais vus sont tapis à l'intérieur. Affrontez-les avec de nouvelles stratégies et techniques. Donc là, c'est un petit peu. Là, je ne sais pas trop quoi en penser. Puisqu'une mystérieuse tour est subitement apparue dans le monde des duels, ok? Mais en fait, ce que j'ai du mal à me dire, c'est que c'est marqué des ennemis encore jamais vus sont tapis à l'intérieur. Je ne sais pas s'il parle d'ennemis jamais vus sur Duel Links ou des ennemis jamais vus sur Yu-Gi-Oh! Sur Game A, en fait, j'ai vu certaines personnes penser, donner un petit peu pronostic, on va dire, mais leur avis sur ce que ça va être. Et certains nous disent que ça va être un événement avant, enfin, un événement pour Halloween. Bon, ça me paraîtrait très tôt, puisque c'est fin septembre, et bon, Halloween, c'est fin octobre, quoi. Et que la fameuse tour serait la. Comment elle s'appelle? En anglais, elle s'appelle. Où est ce truc? The Soul Absorbing Bone Tower, la tour d'os absorbante d'âme. Je sais même plus ce que c'est en français. Bon, avec certains, peut-être des duelistes monstres, je sais pas, comme on avait par exemple dans la saison 3, la saison 3 et 4, non, la saison 3 du Yu-Gi-Oh! GX, ou des choses comme ça. Bon, je sais pas trop à quoi m'attendre par rapport à cet event. Et enfin, en parlant de GX, fin septembre, une énorme mise à jour arrive. Une énorme mise à jour arrive. Bah oui, d'ailleurs, ils le disent deux fois. Pour Yu-Gi-Oh! Duel Links, outre un nouveau monde, voici ce qui vous attend. L'ajout d'un nouveau monde. Je n'avais pas fait gaffe qu'ils avaient fait ça comme ça. Outre un nouveau monde, voici ce que vous aurez. Un ajout d'un nouveau monde. Ouais. Ajout de nouveaux personnages. Au pluriel, bien sûr. Ajout de nouvelles missions, bonus de collection spéciaux. De nombreuses autres mises à jour suivront celle-ci. Et du coup, pourquoi il ferait un nouveau monde, en fait? Pourquoi il ferait un nouveau monde? Parce que c'est pas du tout le même univers. C'est pour ça que je pense clairement que ça va être GX, l'arrivée de GX, puisqu'en plus ils annoncent de nouveaux personnages. Nouveau monde, nouveaux personnages, donc les personnages de GX. Après, des nouvelles missions, sûrement des nouvelles phases qui vont juste être là pour. Enfin, comment dire? Ça va être des missions exclusives à GX qu'on pourra juste accomplir dans ce nouveau monde GX. Bonus de collection spéciaux, je ne sais pas ce que ça va être. Bon, peut-être qu'il faut se collecter dès le jour 1 pour avoir certaines récompenses. Bon, ok. Et de nombreuses autres mises à jour suivront celle-ci, c'est génial. Donc un nouveau monde qui aura sûrement son propre portail des duellistes où on pourra dépenser nos clés de duellistes et tout. Ça va être intéressant, ça va être intéressant. Ensuite, début octobre, le retour du duel à tombe. C'est toujours bien, c'est toujours sympa pour avoir une petite carte, enfin une nouvelle petite carte, des gemmes, de l'or, des joyaux. Bon, c'est le petit event sympa. Bon, d'ailleurs, on ne va pas l'avoir début septembre, c'est dommage. Il me semblait qu'on l'avait chaque mois, mais bon, dommage. Et ensuite, mi-octobre, un nouveau personnage arrive dans Duel Links. Ajout idéal pour la saison, un nouveau personnage arrivera. Puisque bon, mi-octobre, la saison, c'est la saison d'Halloween, quoi. M'affronter vous flanquera une frousse telle qu'elle vous expédiera dans la tombe. Après, je ne sais pas. En plus des événements mentionnés ci-dessous, nous ajouterons également des campagnes, de nouvelles cartes et des mises à jour de fonctionnalités. Nice. Donc, bon, cette description, et vu la saison, je pense clairement que ça va être bon. J'ai vu ça sur d'autres sites aussi, je pense que c'est pas trop une surprise. Est-ce qu'il sera. Apparemment, j'ai vu sur Game A. J'ai vu sur Game A qui pense que.
Il me semble qu'ils avaient dit que le dueliste serait peut-être débloquable. Ce serait bien. Bon, en tout cas, même si c'est que un dueliste avec des loots, ça pourrait être très intéressant. Ça pourra nous apporter pas mal de nouveaux monstres zombies. Et ça aussi, hein, les zombies, les dinosaures, c'est des trucs qu'on voit pas trop souvent sur Duel Links. Et ça me hyperait tellement de les avoir. Mais surtout, c'est cette grande mise à jour, cette mise à jour fin septembre, une énorme mise à jour arrive avec les. Très sûrement. Je veux dire, ça peut pas être autre chose que ça. Ou alors, ils vont peut-être ajouter Yu-Gi-Oh! Brains avec les Links. Non, mais je pense pas du tout à ça, mais. En tout cas, ce sera génial. Ce sera génial. Parce que. Ça va énormément changer le Duel Links. Ça va peut-être rapporter une nouvelle hype à Duel Links. Donc très, très impatient de voir ça. Allez. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos propres avis sur les futurs événements. Qu'est-ce que vous pensez que nous allons avoir pour ces différents événements. Bon. Et sur ce, je vous dis bye bye tout le monde. À la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous abonner si c'est pas fait. Allez tout le monde. I take the dream to live inside of yours. Flash and cause and nightmares and react. Trembling and to try to grow. The person that I wish that I'd be. The feeling of fingers on my skin and lingers even after all these years. It's the only kind of end that remains inside my heart. Every time I try to look into the shadow.